Trésorier Québec présente à la conquête de la reine d'Instagram. Salut, je m'appelle Marina et je suis sur Instagram depuis 4 ans. Instagram, selon moi, c'est du bonheur quotidien. On est au September Surf Café, mais plus précisément dans le Shaper Studio. Ça veut dire qu'ici, les gens peuvent apprendre à shaper un board pour surfer puis partir avec. Je l'ai jamais fait, ce sont je serais pourrie, mais j'aimerais ça le faire. Non, je gagne pas ma vie avec Instagram, mais déjà, le fait que j'ai plus de 50 000 abonnés, il y a des compagnies qui vont m'appeler me dire « On te paye tant pour faire telle affaire sur Instagram » ou « On va te donner plein de stocks gratuits en même temps que tu fasses 3 publications avec tout ça. » Tu sais, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits de beauté, que ce soit de la nourriture, des produits pour mon chien. Tu sais, comme il y a toutes sortes d'affaires que je peux recevoir. Est-ce que tu dis oui à tout? Non. Au début, tu sais, quand ça commence, t'es comme « Ah ouais, c'est le fun, wouhou! » Mais à un moment donné, tu réalises que plus on va te donner du stock, plus tu vas devenir comme un genre de publi-sac, là, tu sais. Ah mon Dieu, mon selfie! En fait, ça, c'était à La Voix, quand je dansais pour La Voix. Puis je veux dire, il y a des équipes, là, dans les shows télé, ils ont des équipes de maquillage coiffeur qui sont hallucinants. Moi, j'avais mon coiffeur préféré, Gilbert, qui était là, puis... La maquilleuse m'avait super bien maquillée. Tu sais, des fois, là, des filles, il reste juste une fille, hein? Puis des fois, je fais comme, oh mon Dieu, je pense que je me trouve belle. Je pense que le monde m'a super bien pimpée, puis que là, genre, il semble comme je suis contente. J'aimerais ça avoir un beau souvenir de ça. Fait que j'ai pris une petite selfie comme ça. Fait une petite face coquette. Puis j'ai pris un selfie, puis je l'aime bien, cette photo-là. Je la trouve chouette. J'étais bien contente. Je sais pas. Elle est révélatrice quand même. Ah, à cause des boobies? Ben là, révélatrice, ton maillot de bain, c'est même plus révélateur que ça. Ça, c'est genre un petit screen, là, ça craque de sein. Là. Hein? On est en 2016, là, quand même. Ça a parti avec Codef, qui est une émission que je fais à Vrac. Tu sais, j'avais déjà quelques personnes qui me suivaient, mais rien d'énorme. Puis dès que Codef a commencé à la télévision, tu sais, c'était une quotidienne. Hein? C'était comme tous les soirs de la semaine. Fait que là, ça s'est mis à m'ajouter, là, puis c'est juste allé de façon exponentielle. Puis aujourd'hui, il y a des semaines là, que je fais pas grand-chose. Là. Puis ça s'additionne quand même. Je vais quand même avoir 2000 personnes de plus en une semaine. Tu sais, c'est vraiment, là, une fois que la machine est partie, c'est comme le monde t'ajoute, tu sais même plus pourquoi, là, quasiment. Là. Moi, le café, c'est un baume sur mon cœur. C'est une drogue. C'est une drogue aussi, dans le fond. Fait que t'es droguée. Mais c'est un baume sur mon cœur. OK. Fait que c'est une drogue qui fait du bien au cœur. C'est ça. OK. C'est ça. Ça passe. Oh! Tu vois, ça, c'est mon genre de photo que j'aime. Ça, c'est mon genre de photo que j'aime parce que c'était mon ami Anto, le grand duvel, qui était comme, viens, je vais te prendre en photo. Puis j'étais comme, je sais pas où me mettre, je sais pas quoi faire. Tu sais, c'était le matin. J'étais pas dans le mood de faire comme, je vais prendre des belles poses pour prendre une photo. Fait que j'étais comme les fesses dans l'eau, j'avais du fun. Puis il dit, ah ouais, fais ça. Puis il me plaçait tout croche. Puis à un moment donné, je me suis juste mis à rire. Puis c'était vraiment, là, sur le moment. Il m'a pris, puis j'étais comme, j'ai le dos rond, on dirait que j'ai un drôle de nez. Non, je m'en fous, je l'aime cette photo-là parce que c'est sur le moment, puis parce que c'est naturel, puis parce que je suis en train de rire, puis I'm having the time of my life. Ça se peut que cet après-midi, je publie une photo d'ici, tu sais. Super. Genre avec mon petit café, mon ami, le beau décor, tu sais. Hashtag Journal de Montréal. Hashtag Journal de Montréal. C'est mieux qu'un homme. C'est mieux qu'un homme, un café. Ça, c'est sûr qu'on le garde.